Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 105e épisode. Alors aujourd'hui, j'ai continué à bosser sur mon projet d'atodoux et toujours sur cette page qui me permet de lister les projets de l'utilisateur. Donc j'ai décidé de rajouter un petit bouton en haut de la page, en haut de toutes les pages en fait, qui va permettre d'accéder à cette page-là. Sinon, on va retrouver dans les filtres des tâches, dans les filtres des actualités, une petite icône qui va me permettre d'accéder pareil à cette page. Donc cette page, elle liste les projets, à la fois les projets qu'on dirige et les projets qu'on a rejoints. Et elle nous permet également, cette page, de créer un nouveau projet, mais également d'effectuer des actions sur les projets qu'on dirige. Donc par exemple, renommer un projet. Donc par exemple, ce projet-là, le projet test 3, je vais le renommer en test 2. Voilà. Et supprimer un projet. Par exemple, je vais supprimer ce projet test 4. Voilà. Donc il y avait une petite difficulté, mais que j'ai réussi à prendre en compte. C'était quand on a deux utilisateurs qui travaillent sur le même projet. Donc ici, je vais rafraîchir. Donc là, pour l'instant, ils ne travaillent pas sur le même projet. Je vais faire en sorte que Jean rejoigne ce projet test 2. Donc, hop, je fais ça toujours pour le moment en base de données. Voilà. Donc si je rafraîchis les deux pages, on voit que Jean maintenant a un autre projet sur lequel il travaille et que le compteur du nombre de personnes s'est incrémenté. Donc là j'ai deux personnes. Donc si maintenant je me mets à la place de Jean, je clique sur les personnes, je vais voir exactement le détail du projet. En fait c'est la même chose, c'est la page de détail du projet qui va me permettre d'accéder aux informations pour savoir qui est-ce qui dirige ce projet-là, exactement quand est-ce que ce projet a été créé et les personnes, les membres de ce projet. Et là, bah, si je suis administrateur, j'ai accès à différentes actions, de supprimer, de retirer une personne d'un projet, de rajouter, d'inviter des nouvelles personnes. C'est ce que je vais pouvoir faire ici, par exemple, Paul, virgule, Vincent, etc. Et quand je vais cliquer sur le plus, ça va envoyer un message à tous ces utilisateurs-là pour les inviter à rejoindre mon projet. Ils pourront accepter ou refuser. Donc je peux également retirer une personne. Quand je vais cliquer sur la petite croix ici, bah Jean va être retiré du projet, donc il n'aura plus accès. Et je peux également changer l'administrateur. Donc je vais cliquer ici et sélectionner un autre utilisateur, par exemple, pour donner les droits d'administration à Jean. Donc voilà pour les petites actions qu'on peut effectuer, et puis donc bien sûr c'est réservé à ceux qui sont administrateurs du projet et les autres n'ont pas ce droit-là. Donc ce que je vais rajouter, moi, enfin j'ai pas encore terminé de développer le fait qu'on puisse changer d'administrateur, donc ça j'ai développé juste la page mais c'est pas encore actif. J'ai fait en sorte qu'on puisse retirer, donc c'est ce que je vais faire tout de suite, hop, je retire. Voilà, donc maintenant je travaille seul sur ce projet-là. Et si Jean retourne sur sa page de projet, bah, il ne travaille plus que sur son projet d'origine. J'ai oublié de vous montrer quand le petit cas justement qui était assez complexe, justement je vais le recréer. Hop. Alors le petit cas complexe, c'est que justement. Si je suis moi l'administrateur de ce projet-là, que j'ai deux personnes et que je veux renommer un projet, donc déjà ça va faire la vérification pour pas qu'on puisse utiliser un nom qui est déjà pris dans nos projets, mais également ça fait la vérification sur les projets des autres personnes, de toutes les personnes membres de ce projet-là. Par exemple, si je veux renommer ce projet test 2 en test, ça me dit que au moins un membre de ce projet-là travaille déjà sur un projet portant ce nom. En fait, c'est le Jean qui travaille déjà sur un projet qui a ce nom-là, et donc pour éviter d'avoir deux projets qui portent le même nom
pour l'utilisateur Jean, eh bien j'interdis de renommer, il faudra que je donne un autre nom, par exemple test 4. Voilà. Donc suppression, renommage, et donc je suis en train de travailler sur le fait qu'on puisse inviter des personnes et changer l'administrateur. Donc voilà où est-ce que j'en suis, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.